Et la vache, je suis capable de dire chauffer. Et fois ça, la population prend la rue. Et là, on a assemblé tout le monde en rond pour démarrer. Et puis, l'aéroport semblait être fait. Parce que la première émission, l'aéroport n'a pas commencé. Semblait qu'on a le dossier avancé. Il y a pile aller venir qu'a fait. Non, il a vache. Inquiétude a augmenté. Et depuis quelques jours, la population, il a vache là. On est capable de dire dans la rue. A manifesté pour dénoncer le projet. Et dernière information, nous avons joint fin semaine passée à l'Assemblée. Nous avons même parti derrière une série d'autorités qui sont dans Port-au-Prince, magistrat Villa, agent exécutif intérimaire, et avec l'autre notable dans Ilavache qui semblait aller dans une zone Zilea pour soit présenter le projet ou peut-être aller à la venue. Et bien, semblait courir derrière avec Roche. Donc c'est pour nous. So, for a few days now, Ilavache has been, I could say, heated up this time. The people took to the streets when they realized that it's for real, the project is about to start, that an airport is being built. Because on the previous shows and interviews they gave, the construction of the airport hadn't begun yet. This time, the plan is moving forward with lots of coming and going on Ilavache. Their anxiety has increased, and for a few days now, the Ilavache population is what we might say in the street denouncing the projects. According to updates we found last weekend, they seem to have even chased away certain officials from Port-au-Prince, the city mayor, the interim executive agent, along with other notables from Ilavache who apparently went to an area of the island to either present the project or to speak to the people. It looks like these officials were chased away with stones. Pour nous capables d'éclaircir la situation, je dis à nous rencontrer avec deux représentants, COPI, qui c'est COBIT Paysan Ilavache, qui c'est une plateforme organisation qui réunit diverses organisations sous ILEA. Nous avons rencontré avec Louis Jean Gardi et Jean-Lamy Matunès, qui c'est deux jeunes capables de vivre dans Ilavache, qui ont même inscrit dans le mouvement pour être capable de dénoncer projet ça yo qui a fin fait peut-être par contre si c'est façon y a fin fait là mais si c'est vrai ou pas le projet même dans Zilea yo va le dire nous monsieur comment nous Louis Jean So in order to clarify the situation, today we met with two representatives of COPI, Coordinated Organizations of Peasants of Ilavache, an umbrella organization for several others on the island. We meet with Louis Jean Gardi and Jean-Lamy Matunès, two young people living on Ilavache who have joined the movement to, we could say, denounce these projects taking place. Perhaps I don't know if it's the way the project is taking place or whether they just don't want the project at all. They're going to tell us. Gentlemen, how are you? Louis Jean? I'm sorry, tout mon Ilavache. I'm sorry, tout mon copie qui a écouté l'émission là. I greet everyone on Ilavache. I salute all the members of COPI listening to the show. Oui, moi, absolument. I am Louis Jean Gardi, yes. Moi, c'est l'ami Jean Matunès. Moi, c'est tout le monde Ilavache et tout le monde qui branche l'émission ça aujourd'hui. Bon, monsieur. Yes, I greet everyone. I am l'ami Jean Matunès. I greet everyone on Ilavache, everyone who's tuned in to the show today. Qui ça qu'a passé Ilavache journée jeudi à la pendant la palia. Bon. Well, guys, to start, what's happening today on Ilavache as we speak? Jeudi à nous capable dire c'est Matunès. Oui, c'est Matunès. Nous capable dire jeudi là c'est dernier moment qui arrivé pour population Ilavache là en ouais clair et par rapport avec plusieurs et informations qui t'ont circulé autour d'un développement touristique que gouvernement li gagné et jodi en population rend les compte par rapport avec une série de projets qui commence à exécuter sous ILEA et population commence à rendre compte que li pas impliqué au départ et jodi en bagaille commencé projet commence à exécuter avec en pile à tout. Yes, this is l'ami Jean Matunès.
We can say today that this is the last time that has come for the population of Isla Verde to see clearly in regards to several news about the government's tourism development. Today, the people realize in terms of a series of projects that have entered execution phases on the island, the people realize that they were not involved from the beginning. And today, things have begun and the projects have begun execution with lots of abuse. Gardi, est-ce que nous ouais document projet ou qui ça qui dans projet ça même? Bon, projet A, c'est que selon ça moi sur le site ministre Tourisme, il a fait croire que il y a un projet pour être construit 1000 chambres d'hôtel avec 2500 villas avec des espaces agricoles, des infrastructures agricoles. Mais comprenant qu'il a vache une superficie de 4000 km², est-ce qu'on un projet comme ça qu'a fait de la vache sous 4000 km² et côté population va l'hériter les mêmes? C'est tout équipe. A question from Sonny Esteris. Louis Jean Gadi, have you guys seen the project documents? What are these projects themselves? And Jangadi says, well, the project is that according to what I have seen on the website of the tourism ministry, it would lead one to believe that they plan to build 1,000 hotel rooms with 2,500 villas with agricultural space, including agricultural infrastructure. But knowing that Isla Verde has an acreage comprising 4,000 square kilometers, can such a project be done on Isla Verde on 4,000 square kilometers? And where will the people live? Ça qui plané sur cette population et ça que la population elle même elle pas d'accord à projet ça parce que une population qui vit là depuis quelques bon plus d'un siècle voyez et puis qu'on est là pour un projet venir pour fouiller tout le monde jeter comme ça et sans prendre en considération des idées. Alors voilà, c'est ça qui pousse les habitants à protester contre le projet. Ouais, on parle de ça. All this worry is hanging over the head of the people. That is why the people did not agree with this project, because this population have been living here for well over a century, and suddenly a project shows up and aims to throw them away elsewhere without consideration for their hopes and wishes. So there you have it. This is what pushed the inhabitants to protest against the project. You talk about 4,000 square kilometers in a country of 27,500 square kilometers in size. That's a lot, 4,000. Are you sure that's the number? Non, superficie, c'est ça, bon, oui, superficie. Hein. Ok. 4,000, il là, c'est 4,000. Ok. Oh, pas 4,000, c'est 4 kilomètres carrés. 4. Non, c'est 4 kilomètres carrés, je dirais. 4 kilomètres carrés. Ok. The surface area, that's what I was given, 4,000. Excuse me, no, that's not it. I meant four square kilometers, 4,000 square meters. That's what I meant, square meters. Oh, you said 4,000 meters? Yes, 4,000 meters. Oui, et Jean-Martinez, qu'est-ce qui s'est passé? Hôtel, villa, infrastructure agricole, mais c'est développement ça, non? Oui, et... J'imagine, Les, what's happening? Hotels, villas, agricultural infrastructures, but that is development, right? I suppose you guys used to ask for development for the island, right? Oui, c'est un rêve pour nous, capable. Non seulement un rêve, mais qui est bien bon, vraiment, c'est d'arriver. Si vous avez recueilli la vache, fait partie d'une destination touristique à travers le monde, ou bien plus belle destination touristique qui est capable de gagner dans le Caraïbe blanc. Vous voulez me Yes, it is a dream for us, a dream for us, not only a dream, but which would be quite good if it succeeded to the point of seeing Isla Verde as part of tourism destinations across the world or the most beautiful destination in the Caribbean. The 57th pour le plage, ça c'est pas pas cadé, c'est 57th plus belle plage qui gagne dans le monde là. Moi bon, c'est oui et c'est ça que vous dites. For the time being, it is said to be the 57th most beautiful beach in the world with Abaca Bay.
fierté nous. Mais qui ça s'attaque utile pour que un torchon et un chaudière qui finit faire manger après ça, puis on met des gâtés et puis on va prendre manger à aller avec. Qui ça me dit pas là? Je veux dire, tout ce qui braque celui-là, je veux dire, qui sortit à partir de yon verdure, que il a vache qui même que le possède aujourd'hui. Qui a un système environnemental qui est vraiment bel, M. Sony, où il a vache ouais, que nous avons produit du végétal plus ou moins acceptable. Et même, je veux dire, on sait de nègres qui, par contre, qui côté au sorti, ils ont dit qu'il a fait développement, mais ils n'ont pas posé cette question. Pile bois ça, qui prend pied sur la vache, est-ce que c'est comme ça? Est-ce qu'il a été fait avec eux? Et avant même que nous soyons capables d'entrer plus loin, il nous a dit qu'il a vache, et c'est la fonte historicité de vertu, il a vache là. Nous avons dit qu'il a vache aujourd'hui, son îlet qui a commencé à être un capitaine sous lit à partir de 1930. 1930, les gens sont dans différentes zones sous grand terre, ils sont dit. I believe, yes, that is what they say, a side that makes us proud. But of what use is it to a dishcloth or a cooking pot to be left on the ground and watch the food get taken away once the cooking is done? What do I mean by that? Today, all eyes are on Île aux Vaches because of its lush green space. Île aux Vaches, which today possesses a truly stunning ecosystem, is really nice. Mr. Sony, you've been to Île aux Vaches. You see, we have more than less acceptable green spaces. Well, today there's a series of people who do not know where they come from. They say they go doing development, but they never ask themselves questions like all these woods that are planted on Île aux Vaches. Was the island born with them? Even before we could go further, we might say Île aux Vaches. And if we do a bit of history, the history of Île aux Vaches' green space, we might say people began settling on Île aux Vaches around 1930 to 1940, with people at the time coming from different parts of Haiti's mainland. Part one, we stop. We'll be right back with part two and more.